C'est une première en Côte d'Ivoire. La production d'un bloc pétrolier est confiée à une société nationale dénommée Ivory Coast Exploration. La matérialisation de l'octroi du contrat s'est faite par une cérémonie de signature entre l'entreprise ICE, Petrosi et le ministère en charge des mines, du pétrole et de l'énergie. Il faut maintenant une loi sur le contenu local qui dit que tous les services et biens dont vous avez besoin pour opérer sur le territoire national, vous puissiez les prendre localement. Sauf si vous faites la preuve qu'on ne peut pas trouver l'expertise localement. Le contrat de partage de production sera opéré sur le bloc pétrolier CI-705 d'une superficie de 2289 km², situé entre les eaux peu profondes et profondes au large de Fresco. Le bénéfice de l'investissement de 23 milliards de francs CFA sera partagé entre le consortium et l'État de Côte d'Ivoire. Nous sommes en plein dans le contenu local parce que nous prévoyons faire de l'exploration avec du personnel. Nous allons former aussi les jeunes et si nous avons du succès, eh bien, on pourra faire du développement et de l'exploitation pétrolière et créer des emplois un peu partout. La société ICE est détenue par des Ivoiriens experts du secteur pétrolier et gazier. L'attribution du bloc CI-705 à la société ICE, en plus de contribuer à intensifier l'exploration du bassin sédimentaire ivoirien, est en ligne avec la volonté du gouvernement de promouvoir des champions nationaux.